bon samedi sur Génération Télévision. Alors, quels sont les programmes inédits principaux à suivre dans les 7 prochains jours? Voici l'essentiel, rien que l'essentiel, le Top TV générique. ...2023, semaine 5, et au top ce samedi, Ninja Warrior sur TF1 Primetime, sur France 2, le concert événement, le gala des pièces jaunes. Sur France 5, Échappée Belle, avec un week-end à Aix-en-Provence. Sur M6, vous retrouverez les nouveaux épisodes inédits de Blanca. Du côté de Culture Box, un concert de Hélène Grimaud, en Bavière. Du côté de Cestari, Nini en clair, des numéros d'État paranormal. Et Grand Hôtel sur Chéri 25, comme chaque samedi. Ce dimanche, sur France 2 en prime, le film inédit en clair Terminator Dark Fate. Sur France 3, l'après-midi, du patinage artistique avec le gala des championnats d'Europe. Puis en prime, un épisode inédit de Meurtre en eau trouble. Sur France 5, le monde en face, avec le doc Les fantômes du pétrole, suivi du débat. Sur M6, en après-midi, c'est l'équitation avec le prix d'Amérique en direct. Puis en prime, un numéro de Zone Interdite sur comment prendre soin de nos aînés. Sur Énergie 12, quotidien hors du commun avec les animaux sauvages en inédit. Et puis sur RMC Découvert, seul face à l'Alaska, le face-à-face final. Lundi, sur France 2, c'est Piste Noire, épisodes 3 et 4. Sur M6, c'est le retour de l'amour et dans le pré avec la première partie des portraits 2023. Du côté de la TNT, sur Culture Box, le concert de FKJ à Rock en scène. Sur RMC Story, les plus grands mystères de l'histoire avec le Saint Graal. Et sur Découverte, la commandant Charcot, croisière polaire high-tech. Pour le dernier jour de janvier sur TF1 Swat, épisode inédit 15-16. Sur France 3, saison 2, épisode 4 du Voyageur. Sur France 5, le doc du mardi avec la cuisine bretonne plus de beurre que de mal. Sur M6, le téléfilm puis un débat La vie, l'amour tout de suite. Sur Arte, le thème des femmes au service du Reich. TV8 reviendra sur la journée de grève avec Olivier Véran, invité en direct de Face à Baba. Sur W9, Génération Hit Machine, volume 2, en inédit. Et puis nouvelle émission sur TMC, 80 minutes douche comprise. Bienvenue en février, chien, sur TF1, ce mercredi, The Resident inédit en clair, épisode 9, 10, 11. Sur France 2, téléfilm inédit, Constance aux enfers. Sur France 3, Déraciner des ailes avec les enchères. Sur France 5, en direct, La Grande Librairie, bien sûr. Sur M6, Qui veut être mon associé, un numéro inédit. Du côté de Culture Box, vous retrouverez un concert de métronomie aux Vieilles Charrues. Sur Gulli, le meilleur pâtissier célébrité en inédit. Et puis sur RMC Découverte, Philae, dernier temple de l'Égypte antique. Très bonne Chandeleur pour ce jeudi 2 février sur TF1 Balthazar, épisode 3 de la saison 5. L'événement sera en direct sur France 2 avec Caroline Roux. Sur Arte, nouvelle série Profession Reporter, épisode 1, 2, 3, ça va être sympa. Sur TMC, l'agence, l'immobilier de luxe en famille. Énergie 12 proposera une nouvelle émission, votre playlist idéale. Vous retrouverez sur Culture Box un concert de Taïk à Bercy. Et sur Gulli, il y aura les secrets des plus grandes foires de France. Et on termine la semaine vendredi sur TF1 avec une spéciale mission spatiale de VTEP. Sur France 2, un téléfilm inédit à l'instant. Sur France 3, c'est le Tour de France des 300 cœurs avec Vincent Niclot. Sur W9, un enquête d'action sur les forcenés et fous du volant en inédit. Sur Culture Box, un spectacle de Karine Duval en inédit. Nouvelle série inédite en clair sur TF1, série film Love Life. Et puis sur Chéri 25, Château XXL. Voilà, c'était le Top TV de la 5e semaine de 2023. Bonne semaine et à demain pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.